Salut, salut, chers combattants. C'est une vidéo assez rapide que je vais faire ce matin. Elle ne va même pas durer 5 minutes. Juste, n'est-ce pas, pour appeler à plus de mobilisation à Douala. Chers combattants, où que vous soyez, mais surtout ceux qui sont dans la ville de Douala, convergez vers, n'est-ce pas, le quartier général du MRC, c'est-à-dire au Grand Moulin. Descendez nombreux. On va montrer aux Sardinats la magie. Ils ont allumé leur propre feu. Les Sardinats ont allumé leur propre feu. C'est comme ça, il y a des erreurs graves qu'on ne fait pas. Les Sardinats, dans leur embrouille, ils ont donné le feu vert pour faire les manifs. Et on va leur montrer. S'ils veulent qu'ils envoient leurs patriotes, soi-disant patriotes, là, qui défendent la République de Biya, dehors, chaque jour. Et nous également, on est dehors chaque jour. On va voir qui va se fatiguer le premier. Parce qu'eux, ils doivent payer. Nous, on ne paye pas. Nous, on est gratos. On fait ça gratuitement. Gratuitement comme gratos. Donc, les gars, sortez. Ce qu'on voit là, c'est le tsunami. C'est le nahelele seulement. Donc, continuez à sortir. Continuez à sortir. Paralysez la ville de Douala aujourd'hui là. Paralysez la ville de Douala, chers combattants. Les Sardinats vont confirmer le code. Souvenez-vous. On vous a dit que leur dernier soutien les a lâchés. Leur dernier soutien les a lâchés. La police, la milice de M. Biya n'a plus le droit de tirer sur vous. Elle n'a plus le droit de tirer sur vous. Elle n'a plus le droit de vous torturer là. Oui, vous filmez, vous mettez sur les réseaux sociaux, on envoie. Donald Trump récupère. Macron récupère. Boris Johnson récupère. Ils vont confirmer le tout aussi là. C'est la fin. C'est la fin que vous vivez là comme ça. Les gars, sortez, 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 sortez. Partagez, partagez, partagez. Quand vous êtes à la manif, partagez les photos. Inondez la toile avec les photos. Oui, le sauveur est venu. Le Messie est venu. Le président élu du peuple camerounais. Ça se voit devant les yeux de tout le monde. Même devant les yeux de l'aveugle. Les Sardinats, vous avez appuyé sur « déranger ». Et vous avez appuyé sur exécuter. On va vous exécuter. On va vous déranger et on va vous exécuter en même temps. Yes. Quand on est bête, c'est comme ça. Vous ne réfléchissez même pas. Vous ne réfléchissez même pas dans votre panique, dans votre arrogance, dans votre orgueil. Vous ne pensez qu'à vous. Vous ne pensez qu'à votre ventre. Vous réfléchissez avec le ventre. Nous là, on réfléchit avec la tête. On réfléchit avec la tête. Et dans des révolutions, il s'agit de bien choisir le moment. De savoir lire l'heure. Les Sardinats n'ont pas pu lire l'heure. Ouais. On a lu. On a vu l'opportunité. Quand le professeur Moïse Kante vous disait, quand il jouait son jeu d'échecs, il poussait le bouton ici comme ça. Après, il pousse là-bas. Il pousse ici comme ça. Après, il pousse là-bas. Les voilà, ils sont coincés. Les Sardinats sont coincés maintenant. Ils sont coincés. Dites-moi, ils vont faire quoi? Ils peuvent encore aller où? Ils ont fait les élections, c'est passé. C'est-à-dire, le train a continué. On dit que quand le chien aboie, la caravane passe. Leurs élections, c'était le chien qui aboie. La caravane continue à passer. Hein? Ils ont fait les élections. Et la vie des Camerounais a continué dans leur misère. Ils ont continué leur vie dans leur misère, dans leur coupure d'électricité, dans leur accident routier, dans leur manque de soins de santé. Les gars, sortez en masse, sortez en masse. Je vous le dis, sortez en masse. C'est aujourd'hui le chassement. Le chassement là va se faire aujourd'hui. Et quand vous sortez là, ne revenez, ne vous quittez pas. Sortez en masse. On fait comme ailleurs là, c'est relais, opération relais. Sortez en masse. Je sais qu'on dira que le président lui va venir là, il va dire aux gens que chacun rentre chez lui en paix, chacun rentre chez lui dans la paix. Man, vous dites que vous ne rentrez pas. Le président lui dit ça. Vous dites qu'on ne rentre pas. On ne rentre pas. Oui, vous dites ça. À un moment donné, il faut prendre votre destin en main. Quand le président lui va faire son discours, là, il va venir faire son discours, il dit que maintenant, mes chers amis, vraiment, rentrez chez vous, chacun doit aller chez lui dans la paix. On ne casse rien. Non, on ne rentre pas. On ne rentre pas. C'est ça.
J'en ai terminé pour ce matin-là. Motivation, motivation. Pour la marche du matin. Au Cameroun, à grand zéro. Les bandits comme ça, là, les malhonnêtes. Pendant qu'on parle des choses sérieuses, vous êtes là à parler de tel est Camerounais. Il n'est pas... Macron est Camerounais. Macron est Camerounais. Le conseiller de Paul Biya qui a la présence, il est Camerounais. Chantal Biya, elle est Camerounaise. Vous avez les doubles nationalités, vous vous cachez très bien, même on ne vous voit pas. C'est vous qui donnez la nationalité aux gens. Kalibi, Kalibo est Camerounais, Piang, et il ne prend pas sa nationalité de vous. Vous, c'est qui? Les créateurs du Cameroun. Pardon, foutez le camp aux gens. Foutez le camp aux gens. Paul Kouala, il faut que je te bloque. Hein? C'est ça, non? Il faut que je te bloque. Voilà. C'est fait. J'ai faim, je sens pas quelqu'un qui a faim. Je sens quelqu'un. Si j'ai faim, toi tu as soif, va manger le fombo là-bas. Non, ne mange pas vos beignets là. Un genre de. C'est-à-dire que. Un pays qui a été pris en otage par un groupe de délinquants. C'est votre faim là. Vous savez, on ne chie pas dans le pot. On ne chie pas là où on mange. La France, c'est là où vous mangez. C'est eux qui vous protègent. Et vous êtes allé chier chez eux. Hey, Massa. La France a parlé. Mais vous restez tranquille. Imagine-toi quand ton père te parlait. Donc tu te levais, tu gueulais avec ton père. Non. Ce n'est qu'un soupe-faillon français. Monsieur Biya n'est qu'un soupe-faillon français. Quand ton père te grondait, tu faisais quoi? Ah. Tu te calmes, tu fais profil bas. Non. Les gars ont commencé à s'agiter comme une femme qui atteint de la puberté ou bien qui est en chaleur. Hey, vous avez allumé le feu. Le feu, si là, ça va vous brûler le tout, si. Les gars, sortez. Si vous êtes mon père qui a 22, 21, 28, si vous êtes au niveau de, je sais pas, de Mbongo, de Yassa, de Makepe, de Bona, de Japoma, sortez, les gars, de Bonaberry, de Bonasama, sortez, direction Grand Moulin. Oui, on va leur montrer le voirat. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Sortez, ils ont allumé le feu. Ils ont dit que les manifestations sont autorisées. On a dit que oui, ok, on va manifester. Merci beaucoup. Bonne journée à vous et à bientôt. C'était le Banin de Yingi.